montée des embrois au-dessus du très chic boulevard Carabassel. C'est ici que devait s'élever un immeuble d'habitation de 3 étages. Mais sur place, on ne découvre qu'un cratère d'aspect lunaire. Pour cause de délai dépassé, le permis de construire a été déclaré caduc. Devant le trou béant, les riverains s'inquiètent. Un chantier à l'abandon depuis presque 2 mois, avec des parois de gypse qui s'effritent. Et malheureusement, il faut penser qu'il n'y aura pas de pluie ou de gros orages, parce que ce chantier n'a pas du tout été protégé au niveau des parois. C'est peu de dire que le programme immobilier suscite des oppositions. Dans ce petit quartier privé où l'on cultive l'entre-soi, une pétition a recueilli 100 000 de signatures. À Grasse, il y avait eu à peu près le même cas de figure et le tribunal a ordonné au promoteur de remettre le site dans son état originel. Et bien peut-être c'est ce qui arrivera un jour, peut-être qu'il y aura à nouveau des arbres et des plantes comme autrefois. Les riverains, seuls responsables de cette situation de blocage, les riverains qui auraient délibérément entravé la bonne marche du chantier, c'est la thèse défendue par le promoteur parisien contacté par nos soins. Il compte saisir le tribunal administratif pour faire reconnaître la validité du permis de construire. Montée des embrois, le bras de fer continue.